Président, collègues, l'extrême droite se présente aujourd'hui à nouveau parée de son vernis social, espérant faire croire qu'elle souhaite abroger cette réforme et que son texte peut aboutir. Cet énième mensonge est la suite d'une longue série. En 2007, Jean-Marie et Marine Le Pen se prononçaient pour la retraite à 65 ans, avant de passer à leur fausse proposition de retraite à 60 ans, en entretenant tant sur le nombre d'annuités que sur l'âge réel de départ un flou artistique. Les élections européennes de cette année ont permis de clarifier le programme réel du FN, la retraite à 66 ans, brillamment calculée par M. Bardella. Qui peut croire que le RN lutte contre la retraite à 64 ans, alors qu'il n'a déposé que 75 petits amendements dans cette même commission contre la réforme en 2023 ? Qui peut le croire alors que jamais un seul élu du FN ne s'est rendu aux manifestations les plus massives en France depuis la Libération ? L'extrême droite a préféré, sur les chaînes de Bolloré, légitimer les violences policières et les arrestations arbitraires. Qui peut le croire alors qu'il y a à peine 48 heures, le RN votait contre l'abrogation de la retraite à 64 ans sur le budget de la Sécurité sociale ? Qui peut encore croire de tels menteurs alors que le RN n'a pas censuré le gouvernement Barnier, pourtant favorable à la retraite à 65 ans, ni choisi de destituer le président de la République ? Le mensonge se poursuit ensuite sur le financement de cette proposition de loi. Ce texte nous rappelle les obsessions nauséabondes de l'extrême droite en proposant comme seule piste de financement la natalité, corollaire d'une vision des femmes dont la seule mission est d'enfanter. Le RN propose aussi de supprimer les cotisations sociales, ce qui ruinerait la Sécu. Au fond, Madame Le Pen ne sait même pas comment financer sa réforme des retraites. Collègues, nul besoin de participer à cette arnaque, car dans un mois sera votée notre proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans. La seule proposition de loi pouvant ensuite être reprise au Sénat par le NFP pour qu'enfin cette réforme injuste soit réellement abolie. Rendez-vous le 28 novembre pour le vote.